Mais nous sommes des rois. Elle personne de ma ou non, elle est rois de ma ou. Amen. Yadda, elle va dire si, afei, yamon paye, si tu as c'est. Nous prions. Si tu as c'est, na yamon paye. Nous prions. Où y'a que si a ou tu me brading in un soir, na enan so bio, ou ama yon konini da soir. Yaba, yaba yon samane pa. Et ça, on s'en est dit, on s'en est dit, on sukom edi yankra tene ne yaba wonase yesra wo se ma omu ensukom meme yekra ne na yemfiri anko no na wade waso woni nyam awye brem ma wasama ebei emegu yakoma pono so ma yemfa nante brabetu yemfo ne na brabetete yere de owo ne no ebade ma wonsa o man sanka na se fure de kwa yekase eyesi ebi ahoto so na wunya meni yedini yera wase we yesu demu ene abompae amen amen yenta ewari ase meno beche onyankopon asem je vais partager la parole de Dieu avec vous na nyame asema eba no matudin ese la parole aujourd'hui se titule wo soche brim pendant les jours de tentation wo soche ebrim dans les moments de tentation, de test. Dans les moments de test. J'ai deux ou trois questions à vous poser. C'est comment c'est on paye bon et moyen sia. Si vos prières ne sont plus répondues. Si vous n'entendez plus la voix de Dieu quand vous priez, et si les choses s'arrêtent dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? En chrétien, que vos prières, vous avez l'impression que ça fonctionne. C'est comme si l'Éternel vous a abandonné. C'est comme si vos prières ne sont plus exaucées. Et puis, vous n'avez pas obéi. Que ferez-vous? Si on vous dit ici une chose que tu as souffert pour avoir, il y a 7 ans, toute leur vie, ils ont construit une maison. C'est tout ce qu'ils ont. Si on vous appelle pour vous dire, Mamie, on dit qu'il y a un bel yassier. Madame qui a mené la chrétienté, qui pense qu'elle est la seule qui connaît Dieu, voici ta seule maison est brûlée. Autant que croyant, que vas-tu faire? Si ton un seul enfant est malade et personne, tu es en train de tout faire pour lui dire, hospital, tu lui as amené dans tous les hôpitaux, tous les prières ont été faites, on prie, et on jeûne. Et on prie, on demande c'est à l'Éternel. Et si jamais l'Éternel n'écoute pas la prière, et si on prie le confort, autant que chrétien, que vas-tu faire? La parole de Dieu se titule pendant les tests. On n'y peut bien où tu es maintenant. Toute personne qui m'écoute aujourd'hui, je vais vous faire comprendre quelque chose. Dans la vie courante, il y a des moments de test. Peu importe ce qu'on fera, on passera dans les tests. Je vais vous encourager d'avance. Je vais vous faire comprendre que fois qu'on dit qu'on est chrétien, c'est le combat. Ce n'est pas uniquement manger et boire. Il faut être préparé en avance.
Quand ça vous arrive dans les moments de test, sachez que ce moment-là, on ne change pas notre Dieu. On ne change pas d'église. C'est dans le test que Dieu nous fait passer et après avoir réussi, Dieu nous donnera le courant de victoire. Partout où vous êtes en train de m'écouter, dans ta croyance, il y a des moments de test. Et chacun a ses propres tests. Quand on parle de tests, dans la langue de Ashanti, c'est trois choses mélangées. Quand on parle de tentation, c'est aussi un test. C'est aussi pour les tentations. C'est aussi dans, pour les difficultés. Alors, tous les tests que tu as, c'est ça qui montre lequel la, est ta situation. Le test, le tentation, etc. Mais quel test, any trial, abum, ayene bako. Je vais mettre les deux en un. Et frère, c'est ça fait le même travail. Mais la tentation, je le mets à part. Quand on parle de tentation, c'est autre chose. Mais chacun qui passe dans ces tentations, qui sait de quoi il passe à travers. Quand on parle de test, temptation, and say, la tentation, pardon. Adie biada onipa okodo na unyaye na edin sesuo edie firi wo nchan. C'est quelque chose que l'homme a envie d'avoir qu'il n'a pas encore eu. Alors ça lui pousse, il fait tout pour l'avoir. French for tentation. Le français dit tentation. Na asitre any séduction. Ça veut dire séduction. Non, il y a quatre tentations là. Est-ce que obi est séduction obi? Quand on parle de la tentation, c'est quand quelqu'un est en train de séduire quelqu'un. Ça, elle cherche où il y a bonne personne. Cette tentation qui vient sur l'homme. Elle est different from elle cherche elle test. C'est la, c'est une différence entre le test. Na temptation cherche où il y a bonne. La tentation qui vient sur l'homme. C'est pas Dieu qui ramène ces choses. Je veux que vous compreniez. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Si on est tenté, c'est notre plaisir à nous-mêmes qui nous pousse. C'est notre plaisir qui nous pousse. Quand on parle de la tentation, c'est quand quelqu'un marche et il a son argent dans sa poche. Et quelqu'un est derrière et il voit l'argent dans la poche qui veut tomber. Et la personne derrière est un chrétien. Et là, il commence à voir l'envie. Non, fait, et il regarde si quelqu'un est en train de le surveiller. Non, il regarde à gauche, à droite. Et s'il voit que personne ne le regarde, alors il se rapproche de la personne devant. Et il prend l'argent. Ça en sort où il y a wa femme non. C'est que t'es passé à travers. Et ni Yakobon en ne fa ça en sort où il. C'est pas l'Éternel qui t'a tenté. Aye, one kasa, ou sika ni bre. C'est toi-même tes envies. Ani wo bonia wo die. C'est tes envies et on cherche en about so. Qui t'a donné cette tentation? So le sa obebi anante na wa expose ne ho. Si tu vois une femme qui marche oba onam away all the body parts.
que on voit, on la voit presque. Ah, on a tardé le sang de ça. Et frère, ni comme si ne hou, ne hou bribia, on sa tardé, on sa tardé. On voit que la personne est habillée, mais c'est comme s'il n'est pas habillé. Na, on dit au bas de tri, ne bia, mon comme habillé. Et tu suis cette personne. Na, au bas, nous étions mis à ma watto en sobim. Et si la femme te fait tomber, Anna, what try wo, na wa shi asie. La femme est en train de te tenter et dans tes pensées et t'achouer. Because Matthew chapter 5, verse number 28, nous m'ayez tiré asie. Matthieu 5, 28, nous fait comprendre. C'est obi au bas, na ne kong et donwa. Donc si quelqu'un regarde une femme, Bible says et c'est samedi, on est non à da. C'est comme si tu as déjà couché avec la personne. Et tu en soucha, et y a à konno. Alors, la tentation dans le désir. C'est pas l'Éternel qui le provoque. Si un pasteur tombe, un chrétien tombe dans la faiblesse, dans la faiblesse, c'est pas l'Éternel qui a poussé. C'est toi-même, c'est tes envies. C'est parce que c'est en toi. Et tu n'as pas travaillé dessus. Et là où tu es arrivé, la chose qui est en toi que tu n'as pas prié dessus, c'est en train de se manifester maintenant que tu es ancien ou pasteur. Ça, c'est autre chose. Mais nous, quand on ça, aujourd'hui, je vais vous parler du test que le bon Dieu nous met. Pendant qu'on était à l'école, il y avait des examens quand on le faisait. Quand vous faites passer ce genre de test, il y a des yeux. C'est pour voir ton intelligence. C'est un et pour voir si tu seras capable. On te prépare en avance pour des grands événements. Pour voir si tu es capable. Ah, passer ton final examen. Pourquoi on te fait ce genre de contrôle? Si tu arrives à voir des bonnes notes, on te donne le. Mais tout ce qui est dans la vie, quand tu sors dans le désir, il n'y a aucune couronne à gagner. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Avant de donner une tasse à quelqu'un, si un enfant est à l'école et il en promet, avant d'aller en deuxième, à dis ce teacher. On doit lui donner des examens. Et on sait, classe 1, pour voir si tout ce qu'on lui a enseigné à l'école. Classe 2, non? Est-ce qu'il est capable d'avancer pour aller au collège? Car devant lui au collège, il va apprendre des choses encore plus approfondies. On va lui donner encore des choses plus approfondies. Alors, avant de te donner le droit d'y aller, on va te passer. Tu passeras d'abord les examens. Alors, si tu arrives à gagner tous les examens, alors on te donne tes bonnes notes pour pouvoir avancer. Tous les chrétiens qui m'écoutent aujourd'hui, on a des moments de test. Pareil comme à l'école. Dieu nous teste aussi pour nous donner des victoires. Pour que Dieu puisse nous élever. Pour nous pouvoir nous élever. Toutes les personnes qui ont des noms dans la Bible, Dieu les a testés. Job a été testé. Jacob
Jacob a été testé. Joseph, Joseph a été testé. Anna Abraham, Abraham a été testé. Na mbe si ebe fa Abraham kwa di eli ebrelinti. Na yanko Genesis chapter 22. On va aller à Genèse 22. Verse number 1. Verse 1. Genesis chapter 22, verse number 1. Emma yeti asye se. Emre bi wanyanko pon ebe kache Abraham se. Yanko so. Dieu a parlé à Abraham un jour. Abraham. Abraham. Fauba ekrono. Ton fils uni. Ah, aye Isaac. Qui est Isaac. Faniko mora empaprim. Amène-le à moi. Faniko ba fodie ewo ho emame. Et utilise-le comme un offrande pour moi. Na Abraham, Abraham était ça eneno. Quand Abraham a entendu cette voix. Abraham, aye na famu die. Abraham a tout fait. A person ke betumi a enka ne ba die. Si possible. Enka Awurade ma na konya na konfa ne ba foforo. Pour que Dieu puisse lui donner. Ah, aye Ishmael, ainsi sa Isaac. S'il peut donner Ishmael à la place de Isaac. Non, ce c'est Awurade betumi apeja Abraham. Mais avant que Dieu puisse faire confiance à Abraham. Na Abraham etumi ani nyame anantia. Si Abraham puisse marcher avec l'Éternel. Je sais ni jinie kura nono. La foi qu'il avait. Dieu avait besoin de tester la foi d'Abraham. Ainsi, l'Éternel a testé la foi d'Abraham. Abraham a obéi et il partait. Et sur le chemin. Il a pris des serviteurs avec lui. Il a pris aussi son fils Isaac. Et il a pris tout ce qu'il fallait, le couteau. Il est parti pour l'offrande. 3 jours, il continue à marcher. Et Dieu lui a montré l'endroit. Quand il est arrivé à l'endroit, il a dit à ses serviteurs, vous et les chevaux restez ici à côté. Et moi et mon fils, on va avancer un peu plus loin pour prier. Alors il a mis le bois, il a donné à son fils. Et lui et son fils ont avancé pour arriver sur le montagne d'offrande. Et arrivé sur place, Isaac a posé la question à son père. Père, voici les bois et l'âme. Quel est l'animal sur lequel on va faire le sacrifice? Abraham a répondu à son fils. Fils, Dieu prévoira. Isaac était très humble. Abraham a attaché Isaac. Il a attaché ses pieds. Il lui a mis sur le bois d'offrande. Et il a pris l'âme pour tuer Isaac. Dès qu'Abraham a soulevé son âme, il a entendu une voix du haut. Abraham. 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 Ne touche pas cet enfant. C'est là où j'ai vu que tu as vraiment la crainte vers moi, l'Éternel. Le père de tous les saints a passé à travers ça. Cette tentation qu'Abraham a eue, ce test, tous les chrétiens passeront dedans. Et bien, ça va pas être offrande. Mais il y aura un moment dans ta vie, on peut même perdre notre travail. Et quand on prie, on n'a aucune réponse. On va vers l'Éternel et on entend rien. Peu importe le jeûne. On n'aura même pas un rêve l'Éternel. Ça veut dire qu'on est dans le moment de test. Amen. Amen. Amen.
Yem bie babo no na yanko eya matching. Me jide se match o ya kenka ho, ye montra. Na yanko baby fofro. Yanko James chapter 1 verse number 2 and 3. Yakubu engoma etia eya bako yimwa. Eya mienu ane miensa James chapter 1 verse 2 and 3. Wase minuanom sa mo hwe so hwe hodo bebremu a mumu no ani jie de kra minuanom mes frères sa mo hwe so hwe hodo bebremu a quand vous tombez dans des tests mumu no ani jie de kra ne le comme une joie sa oni pato so hwe mu a si là tu m'as tombé dans des tests ya o so hwe a wa de pege nipa. Il y a des tests pour nous lever. Des fois, on peut perdre le travail. C'est le moment qu'on est en difficulté comme ça. Et c'est pas le moment où il faut abandonner. C'est pas le moment où il faut abandonner la prière. C'est pas le moment où il faut abandonner le jeûne. C'est pas le moment de changer d'église. Chaque fois quand le bon Dieu veut nous promouvoir, il a besoin de tester nos croyances. L'Éternel a besoin de tester. Pour voir ce qu'on fera. Pour voir si jamais on perd tout ce qu'on a. Est-ce qu'on continuera à l'adorer? Si on perd les choses les plus chères, est-ce qu'on continuera à adorer l'Éternel? Alors Paul a dit, mais bien aimés, quand vous tombez dans des grands tests, prenez-le comme une joie. Alors si vous passez à travers des difficultés, vous voyez des difficultés, quand rien n'y va, quand tu vois que les choses ne vont pas comme il faut, c'est le moment de se coller. Tu sais, un car après les tests, il y a toujours des victoires. Toutes les personnes qui échouent au test ne peut pas avancer dans la vie. Mais ceux qui réussissent dans leur tests, c'est à eux qui ont les victoires. Amen. Amen. James chapter 1, verse number 12. Jacques chapitre 1, verse 12. James 1, verse 12. On sait. Et si on n'y pas, on tourne bon à ce que vous savez. On y a un film qui est en train de se faire. Ah, ewa didi ya sewona, odono no ebono. Misi subiu. Yakubu ngoma chie ya baku yimua ye dumi inu. Ensonu wani pa, otone buwa se wosuhim. Na se onyefri mu, efri totrotwa, ubenya mkwabo itira. Ewa didi ya sewona, odono ebono. Amen. Amen. Babo si enshira, eni wani pa, otone buwa se. La Bible dit, heureux est l'homme qui tient bon face à la tentation. Et alors, béni sois-vous qui est patient devant des tests. Quand on arrive à passer dans des tests, Dieu nous promeut. Dieu nous donne le courant. Si tu as besoin qu'on te fasse la promotion, il faut d'abord passer des tests. Avant d'avancer, il faut passer d'abord dans les feux. Beaucoup parmi nous, pendant qu'on prie dans les difficultés, Dieu est en train de nous préparer. Et quand tout va très mal pour nous,
Ça veut dire que tu es en train de passer à travers ta tête. Mais j'en prends l'Éternel pour si quelqu'un est dans des tentations, et si ça lui affaiblit, c'est comme si l'Éternel vous a oublié. Comme si l'Éternel n'exauce plus la prière. C'est comme si on a péché. Mais je vais vous faire comprendre. L'Éternel est en train de vous préparer. Après cela, vous aurez un coup. Car toute personne qui passe à travers des terres, Dieu lui donne un coup. Amen. Voici un seul qui n'est pas autour de bois. Qui tient bon face à la tentation. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis. Alors, si en tant que chrétien, tu as peur de tentations, si tu es chrétien et tu as peur d'avoir des tentations, tu vas toujours, je vais vous faire comprendre que dans la croyance, dans notre voyage du royaume, il y a des tentations. Si tu as envie que le bon Dieu t'élève, Dieu tendra ta foi. Partout où on arrive dans la foi, Dieu donne une test qui nous convient. Même un pasteur, avant que Dieu te donne, tu dois passer à des tests. Avant que l'Éternel te donne. Alors je vous encourage. Ce que tu passes à travers, c'est une test. Travaille bien. Assieds-vous et restez bien face aux tentations. Accepte. Why me, God? Ne pose pas de questions à l'Éternel. Pourquoi moi? Ne jamais poser la question à l'Éternel. Pourquoi Dieu moi? Il faut accepter et avancer. Et en avançant dans la prière, tu es en train de te préparer toi-même. J'en pleure pour que tu fortifies. Ce que tu passes à travers, ne laisse rien vous décourager. Peu importe la vérité que tu as. Certes, les choses ne vont pas bien. Continuez à prier. Patientez face à l'Éternel. Dans son propre temps, Dieu va se manifester. Amen. Amen. La Bible, s'il vous plaît. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Verse number 5. Verse 5. Ok, car Daniel chapitre 5. Sorry, Daniel chapitre 1, verse 5 to 21. Il y a quatre hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était leur chef. Daniel. Avant que Dieu les a donné un don. Daniel, onya aduma chadia aye en komse. Daniel a eu le don de la traduction des rêves. Avant de le recevoir, ce n'est pas en couchant sur son lit que Dieu lui a donné. Dieu a testé la foi de Daniel pendant 3 ans. Dans le jeûne et prière. Daniel pendant 3 ans, Daniel n'a pas mangé la nourriture avec viande. Il a jeûné avec des fruits pendant 3 ans. Et il n'a rien eu comme ça. C'est le jour quand il a terminé le jeûne. Le jour du victoire, le jour quand il avait tout fini, Dieu lui a donné cette don. Alors si Daniel a eu ce don, dans le royaume de Nebuchadnezzar,
Daniel, à cause de sa réussite, il n'a pas voulu manger n'importe quoi. Pendant 3 ans, il n'a rien mangé. Et après cela, Dieu lui a donné un don. Okay, Daniel chapitre 3, non soit. On lit Daniel chapitre 3. Il y a Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Avant que l'Éternel l'élève, pas qu'il devienne quelqu'un, l'Éternel les a testés. Le roi a donné le roi a ordonné quelque chose. Et ces jeunes hommes ont dit, jamais on abandonnera notre Dieu. Et après ce test, Dieu les a donné si tu veux que Dieu te lève, accepte de Que tu acceptes. Tu as été testé avant la promotion. On a bien vu que tu n'es pas voleur avant de te donner la promotion. Alors la promotion est une unité. Et aussi avec une unité. Tout ce qu'on passe à travers continue. Et un moment viendra, Dieu va vous lever. Dieu va nous enlever encore plus haut. Et la difficulté deviendra témoignage. Et tu le diras pour glorifier le nom de l'Éternel. Ne laisse rien vous affaiblir. De l'être à gauche ou à droite. Ne va pas à gauche à droite pour chercher de l'aide. Ne prends rien qui est le contraire de la parole. Restez ferme. Et après cela, Dieu te donnera le courage. Béni soit l'homme qui patiente face à des tentations. Et une fois sorti, Dieu te donnera le courant de la gloire. Amen. Amen. J'en prie l'Éternel pour vous. Tout ce qu'on passe à travers vous. Que Dieu nous fortifie. Qui nous encourage. Comme il a encouragé Josué. Josué, soyez fort. Et Dieu nous fortifie. 1 Corinthiens chapitre 10, verse number 13. 1 Corinthiens 10, 13. Corinthiens formellement édicain. Et si il y a deux. Et moi, il y a deux mien ça. On m'a dit, on va écoutez la parole de Dieu. Sachez bien en ton. Jinye eye ni padye. Na Onyankopon ye no kofoa orema won somo nhye amoro de mu betume so. Na mom obema kwan amodi be firi so hene mu abeda ho. Na mo atume agina. Amen. Bible say enso bi anto. Na you okin test. Etidye na my friend say enso kora be ni ewade de kora na me fa mu. Bible say enso he. Dieu dit que ce n'est même pas des épreuves. Ça, c'est des choses qu'on sera capable de faire. Dieu nous le donne parce qu'on peut être vaincu. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Aucun maître à l'école donnera le contrôle de sixième à un enfant qui est en primaire, un exemple.
Either se teach ano di adia wa class 1 ana wani mu a wo be ko class 2 adia en wo de be chere wa adia. On te donne toujours des choses que tu seras capable. Tu Christ aussi. Oma on konkron a o so ya hwe no. Enfant so cha. Pourquoi Jésus nous a promis qu'il ne donnera aucune tentation? Si on passe à travers, ça veut dire qu'on est capable. Puisqu'on passe à travers, Dieu sait qu'on est capable de faire. C'est pourquoi il le laisse. Et si tu ne te retournes pas à Dieu, et si tu restes ferme et ferme, et si tu patientes pour la grâce de Dieu, Dieu te touchera. Et il y aura une fin. Puisqu'on prie, les choses qui nous affaiblissent, il y a des fois on n'a même pas envie d'aller à l'église. Quand on regarde les attaques, quand on regarde le combat, finalement ça nous décourage même d'aller à l'église. Mais sachez que Dieu ne laisse aucune tentation plus fort que nous. On a coupon de casser power de aton ting. Si on n'arrive pas à vaincre les petits, comment on peut faire pour que Dieu nous fortifie? Que Dieu nous fortifie. Que rien nous décourage. Ce que tu cherches, que tu n'as pas, ne change pas. Ce que tu cherches, que tu n'as pas, ne change pas ton sang. Cherchez à avancer dans la croyance. Tant qu'on est sérieux, qu'on travaille sur le salut, Dieu rajoutera tout le reste. Et tu vas sortir de ton sang. Tu vas te rendre compte. Que Dieu vous fortifie. Qu'il nous aide. Amen. 2 Timothée 3, verse number 1. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, verse 1. Bible say, na huri yesa enna edi echire mu no. Emra emu aden ebeba. Hini yesa enna edi echire mu no. Emra emu aden ebeba. Difficile. Tibre wei ya obra emu aden. On est dans les moments difficiles. Tu sais, ailleurs, ça on croit au Jérusalem, mais moi, si vous êtes le seul visiteur à Jérusalem, sachez que on est dans un moment difficile. Les choses sont difficiles. Ça monte à la fin du temps. Mais ceux qui appartiennent à Christ, continuera à nous fortifier dans des problèmes. Et dans les moments difficiles, le Tout-Puissant lui-même sera. Et il va traiter tous nos problèmes. On est dans les moments difficiles. Jeremiah chapter 29, verse number 11. Was in a minimum agent crumb, a general. Jeremiah 29, DK excel a pensée. Minim agent qua, main jing a wall. Dieu connaît ses pensées envers. Tu dis, I wouldn't know what you say, Erania Jow. Ce qu'on passe à travers, c'est comme si Dieu nous voit. Dieu pense déjà du bien à nous. C'est parce qu'on ne voit pas, on pense qu'il nous abandonne. Mais il est avec nous. Il va. Il y aura une fin à nous.
Amen. On se lève pour la prière, s'il vous plaît.